Selon les estimations, le massacre de la Saint-Barthélemy aurait fait entre 10 000 et 30 000 victimes. C'est très clairement l'une des pages les plus sombres de toute notre histoire, et la pièce de théâtre dont je vais vous parler aujourd'hui en est un excellent témoin. Je t'explique. Marie-Joseph Chénier, le frère d'André, est un dramaturge qui a écrit pendant toute la période révolutionnaire. Sa pièce la plus connue s'appelle Charles IX et tourne autour, justement, de ce massacre de la Saint-Barthélemy, en centrant l'intrigue sur le roi de l'époque, Charles IX. Il aura à raison peur que la censure royale interdise sa pièce, mais lorsque la révolution éclate, il aura toujours du mal à faire jouer sa tragédie. Il y a véritablement des gens qui ont des réticences à jouer cette pièce pour une raison très simple. Lorsque la pièce sort plus de 200 ans, c'est encore une plaie trop ouverte et trop suintante pour que les Français acceptent de regarder cet événement historique en face. Bonne journée à tous et à demain pour une nouvelle année.